Et salut à tous! On doit parler avec le greux. Ok. Il y a des zombies fantômes. Nice. Hein. J'ai mis une droite dans le vent. Ouais, parfait. C'est ouais, laquelle mon arme, celle-là? Putain, il reste une réparation. Fait moi j'en chier. Ai zéro là. Mon arme légendaire. Ah, mais allez, monte! Fais un effort s'il te plaît. Voilà. Oh, j'ai sauté sur toi. Pas discret hein, de. Regarde-le le zombie. Bon. Ici, et oui, j'avoue. Il y a Raïs, il a sa fenêtre là-bas. Il voulait que je kidnappe Jad Aldemir pour la faire combattre dans son arène. Oui, et. C'est tout? Comment ça, c'est tout? Je vais pas dans le trafic d'humains, moi. On dirait que vous oubliez à quel point ce fichier est important, Crane. Si Raïs veut la fille, livrez-la lui. Vous serez là pour veiller sur elle, non? Qu'est-ce que. C'est quoi ce délire? Vous êtes sûr de bosser dans l'humanitaire? Et puis, si ce fichier peut sauver le monde, pourquoi il doit rester secret? On ne vous paye pas pour vous poser des questions, Crane. Récupérez le fichier, c'est tout. Allez vous faire foutre. Bidip. Allez vous faire foutre. Boum. Mon plaisir. Ici Alfie. Bon, écoutez-moi tous. On a plus de gaz à la tour. Et j'ai l'impression que... Je peux leur donner s'ils veulent. On sait ce qui s'est passé? Non. Jeff, notre spécialiste, est parti la semaine dernière. Je suis tombé dans les pieds. Ah mais... Merde, vous. Il faut que tu le retrouves. Et vite. Il paraît qu'il s'est monté une petite forteresse, quelque part derrière la gare. Homme de rice. Ça va, Python? Ah mais... Mais fallait me le dire! Oh! Je me suis éclaté! Ah merde, ça c'est un gentil! Oh! Je joue Star Wars avec lui là. Ah c'est bon, je l'ai taclé vite! Faut que je l'exécute! Non, laisse-moi l'exécuter! Oui! Oh, c'est lui. Ah mon arme l'est cassée! Survivant, il pleure. Fragilus. Et tu veux pas te relever là, le te mettre en PLS là? Ouais, utiliser. Ouais, ah, bah utilise tes soins sur moi. Ça peut arriver. Je me suis laissé submerger. Il fait quoi là? Il court derrière toi? C'est un ouf. Merde. Laissez-moi. 10 secondes. 5. Ça y est, mourir. Ouais. J'aurais fait de même. Bon, il est passé. Alors... où, survivant? Ah, il est mort. Bon. Ah, mais je l'ai utilisé juste avant. Du coup, moi, je voulais fouiller lui. Pour 40$. Anthony, tu peux m'expliquer ce qui s'est passé ici? Bien honnête. Tu veux prendre un bain? Oh putain! Tu fais mal vite lui hein. Ok, j'ai failli faire une boulette. Merde. Jamais fatigué pour sauter sur la tête d'un zombie. Bracken, c'est Crane, tu m'entends? Bracken, tu m'entends? Merde, Jad, c'est Crane, tu m'entends? Crane, combien d'antizines t'as récupéré? Ah, je me souviens, c'est le début du Rice jeu ça. Voulait que... On avait désingué des zombies dans ce on petit marché. Voir. J'ai que 5 flacons. Quoi? On ira pas loin avec ça. On a un problème ici. Une épidémie a éclaté au 18ème étage. Ah bah ça. Reviens le plus vite possible. Bah on ira pas au 18 et puis voilà. Une épidémie!
exécuté les... une épidémie, bah... 1-0, 1-0. Méthode Corée. Ça fonctionne en tout cas. Ouais, mais Skip, il y aurait peut-être des soucis de santé. Je viens de voir ton snap, je suis phobique du sang. Fuck. Bah comment elle fait, tu sais, une fois par mois. Ah bah ça. Tu peux te TP. Bah j'ai essayé de me TP, hey, mais t'as enlevé le message. J'ai pas enlevé, ça s'est enlevé tout seul. Ils se la repèrent, ils vont frapper à sa porte. Quelqu'un doit prévenir ses occupants. J'ai pas mal de soucis en ce moment, mais je vais réfléchir. On a plein de quêtes par contre, c'est insolent. C'est très insolent. Qu'est-ce qui se passe? Tu connais Jafar, pas vrai? Oh, cette barbe, je m'y attendais pas. Il cherche un bon traceur. Pourquoi faire? Il ne voulait pas en parler sur la radio. Il y en a, ils se font book et lui, il a tout fait sauf le book. D'accord. Merci. Bonjour, monsieur l'intendant. Matrix. Oh, on s'est fait de l'XP là, on a passé des niveaux, je pense. Ouais, niveau de survivant. Maîtrise du bouclier. Non, j'en veux pas de ça. Marchandage. Réduit de 10% supplémentaire les prix en boutique. Allez. Shuriken élémentaire. Proc. Y'a rien qui m'intéresse. Hein. Excusez-moi, monsieur Craig. Mais prends les prix là. Ouais, mais j'essaie de jamais. Ouais, mais t'es bête. De toute façon, y'a que ça. Allez. Qu'est-ce que tu veux, monsieur Crane? Connaissez-vous un homme qui s'appelle Volkan Yassifdal? Volkan Dal? Bien sûr. C'est le patron de Volkan Petrol Engineering, l'homme le plus riche d'Aran. C'est exact. Et monsieur Dal a besoin de vos services. Je savais pas qu'il était encore en ville. La plupart de ses employés ont été évacués. Mais ces deux ingénieurs en chef sont toujours ici, dans le bidonville. Tolga et Fatine. Ils travaillent sur un projet spécial. C'est hautement confidentiel et je crains de ne pouvoir en dire plus. Mais je peux vous assurer que c'est d'une importance capitale. Alors je chercherai pas à en savoir plus. Les deux frères sont de brillants ingénieurs. Mais ils sont aussi quelque peu spéciaux. Ajoutez à cela les conditions problématiques de l'environnement actuel, et vous comprendrez qu'ils ont pris du retard. Monsieur Dal voudrait que vous l'aidiez à remettre le projet sur les rails. Vous recevrez une généreuse compensation, bien évidemment. En faisant quoi? Ce qu'ils vous demandent. Ils n'auront besoin de vous que de temps en temps, et vos missions ne seront que de courte durée. Vous devrez éliminer des obstacles, dirons-nous. Ils vous contacteront en cas de besoin. J'y réfléchirai. Comment tu fais pour avoir un rasage aussi clean alors que vous êtes là? J'espère que tu jetteras un coup d'œil au... Ramasse pas ces trucs de merde. Ouais, t'inquiète. Je sais que c'est de la merde. Monsieur, est-ce qu'il faut... Voilà. Ah bah c'est lui, Alfie. Il a remis le courant. Tiens, c'est pour toi. Désolé de pas te montrer plus de gratitude, mais je passe une journée de merde, tu vois. Ah bah t'es pas les deux. Oui, mais il manque l'aval de Brecken. Il dit que c'est trop risqué. Et c'est un truc dont on a besoin? Ouais. Bon, voilà. Brecken dit qu'il faut améliorer la sécurité de nuit. Trop de nocturnes devant les portes. Pas vrai? Donc, j'ai monté une nouvelle rampe de Projo qui utilise ces grosses ampoules à UV de 10 kW. C'est ma stock. Ça te grille un rapace à plus de 50 mètres. Ah, ce serait carrément dément. Mais les ampoules à UV dont on a besoin sont coincées dans les tours du pont de l'infamie. Le pont? Ah, attends un peu, tu parles du pare-feu de l'infamie? Ah, c'est ça. Les plus grosses lampes à UV de tout l'hémisphère. Alfie, ce système ne marchait pas. C'était un désastre. Ils ont dû finir par détruire le pont. Eh ben, ça aurait marché si le courant avait pas été coupé. Et quand t'as relancé ces sous-stations, les systèmes se sont remis en route. Maintenant, on peut le voir de nuit. Donc, il te faut quelqu'un pour trouver les ampoules. Ouais, ouais. Mais, voilà, le truc, certaines ont grillé, tu vois. Elles valent rien. Donc, le seul moyen de récupérer les bonnes... Pour toi aussi, elle est bizarre, sa barbe. En marche. Encore une sortie de nuit. Ça devrait pas être trop dur d'y entrer. Mais une fois que j'aurai enlevé les... Ils ont voulu faire genre c'est une barbe bouclée, en fait. Sur un pont, plongé dans le noir, et t'auras des problèmes à gérer. Bref. Tu sais quoi? Peut-être que Brecken a raison, cette fois. Et oublie tout ça. Même si c'est carrément dommage. Fils de pute, va, tu nous as parlé pendant 50 ans pour ça? Je vais pas écouter ce qu'il a dit du coup, moi. Y'a un vendeur. Plan baseball fatal, ça m'intéresse. Faucille de jardin. Ouh.
Oh les dégâts. L'enfer. L'enfer de l'enfer. Pardon. Les fusées, j'en ai rien à foutre. Ça coûte cher tout ça, hein. Ça coûte cher tout ça. Faut que je me fasse une nouvelle arme. Mon couteau, je vais le vendre, je l'aime pas du tout. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je vais acheter la faucille de jardin, je pense. Quoique, non, elle coûte cher. Attends, je sais pas ce que c'est, ça, c'est jaune. De quoi? Cadence de tir, non. La botte de criquet, en vrai, je pourrais la vendre aussi. Hop. Ah ouais, mais lui. Bah non, bah je vais lui acheter parce que. Quoique, non, j'ai deux armes encore. Ouais, si. Fais précision. Tu peux regarder ton avant. Vas-y, viens, viens. Elle est où ma batte? Viens, 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 viens. Attends, faut que je mette ma batte. Tu pourras le faire après. Non. Suite. Ce serait plus facile de se déplacer. Elle est où ma batte? Elle est là ma batte. Et où? Jade vient de me dire qu'une épidémie a éclaté au 18e. Pour de rapidité. Daoud, réponds-moi, Daoud, réponds-moi, espèce de fils de pute. Ah bon? Oh, dis donc. Tu as l'antizine? Mais pourquoi, mais pourquoi il criait comme ça, c'est ouf. Mais c'est un malade mental. La meuf, elle a dû l'entendre derrière. C'est dit, mais il veut quoi, lui? C'est quoi ce délire? Tu devrais aller voir Brecken. Je vais apporter ça à Lena. Ça marche, je la trouve un peu robotique, non? Anthony. Content de te voir. Le mec il veut pas parler juste. T'as pas vu ce qui est arrivé. Et c'est pas plus mal. Ton petit pantalon à tête de mort là. Putain, c'est honteux. Ah mais lui c'est le vendeur, c'est le frérot. Bah oui, bah oui. Arche lourde, arche. Hache lourde remarquable. Faut aussi dire d'un test d'être marrant ça. Mais c'est cher. Oui, allez voir Brecken. Acheter 6 000 $ une faucille, attends. Possible ça. Brecken. C'est pas possible. Hein. Et quand il disait ouais, je veux voir le scorpion en action, nanana, c'est de elle qui parle. Je me TP, hein, je suis à 10 cm. What? Ça a bugué. Bon, attends, j'arrive. Ah oui, je me souviens de cette scène. C'est un écran blanc, hein. Arrête de regarder. C'est comme les petits, qui ont un petit problème dans le cerveau. Ils regardent la neige. Là, on en reçoit plus. Lena a dû réagir. Je devrais peut-être la laisser diriger. Mais putain, Crane! Je suis pas un leader. Je suis prof de parcours, c'est tout. Tous Freyren, c'était toi? Tu as montré aux gens quoi faire pour survivre. Tu sais ce que j'avais dans les poches en arrivant à Arran? Des putains de cartes de visite. Je crois qu'il y a un physique de prof de PS. J'espère trouver de nouveaux élèves, économiser pour acheter une maison et quitter mon petit appartement pourri. Écoute, je vais aller parler à Rice. Attends un peu. Tous ces gens ont besoin de toi. Donne-moi un peu de temps. Il y a sûrement une solution. Une meilleure solution. C'est un filtre ou c'est mon écran qui est sale? Je vais attendre. Mais fais vite. Non, c'est mon écran. Bon, c'est vrai que ça fait 3 semaines. Il y avait des enfants! Il y avait des enfants, putain! Et la télé, elle est où? Elle est restée derrière. Hein. Elle boude. Hein. Il a cassé la télé parce que des enfants, ils sont morts. Voilà. Oh putain, pour une fois que je voulais me suicider, tu peux pas. Je vais enfin pouvoir faire quelque chose de bien. Il y avait des enfants. Bref, t'as qu'à en refaire. Putain, mais... Attends.
Il a vraiment fait le tour pour ça. Non. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait des enfants, putain. Et à chaque fois qu'il vous la porte, espèce de fils de pute. Daoud. Le mec, il a un toc. Qu'est-ce que tu fais là? Salut, Crane. Tu peux te faire confiance? Ah oui, Onyx là. T'es sous ou quoi? Si Onyx était un humain, ce serait lui. Qu'y a-t-il? Les éclaireurs ont trouvé un nid de rapaces dans ce gratte-ciel. Si on l'élimine, les missions de nuit seront de nouveau possibles. Je pense à un... Ce gratte-ciel pourrait peut-être le faire exploser. Ah, me dis pas que t'envisages toujours ça. Crane, il le faut. Tant que le nid sera là-bas, on ne pourra pas récupérer toute l'antisine dont on a besoin. La canette qui fait 3 litres, là. Ah, merde! Me lâche pas! Me lâche pas! Il a pas d'équilibre, comme Onyx. Oh putain! Tu vois, on fait une bonne équipe. Écoute, Raïm, on n'a pas d'explosifs. Du tout. À part peut-être les pétards de Spike, mais bon. J'en peux vraiment plus. Tout ce que je fais, c'est de regarder. J'en ai marre. J'en ai marre de rester là à rien faire. Bah va faire nos quêtes secondaires, va. Pas comme ça. Pas de cette façon. Quitte à mourir, autant que ça serve à quelque chose. C'est quoi ça? Je devais partir le dimanche. Le style aime bien monter. Mes sacs étaient déjà prêts. Je vais... Bon, écoute, je vais réfléchir, ok? Si je trouve un moyen de t'aider. Par contre, c'est dégueu dans cette ville, hein. La pollution. Ouais. C'est censé être... Bah, l'activité s'est arrêtée, quoi. Pourquoi c'est dégueulasse comme ça? Même à 100 mètres de hauteur, t'as des bouts de papier qui volent et tout, c'est n'importe. C'est les devs, ça. Ils ont voulu faire genre... ouais... Nous avons des particules. J'essaie d'appuyer sur B tout à l'heure, mais tu t'éloignes à chaque fois. T'as qu'à monter. Non. En plus, j'arrive pas. T'essayes pas, je te vois, tu bouges pas. Ah! Non, c'est bon. Bon, j'arrive. Non, j'arrive pas. Mais non! Mais si, je vais essayer un truc. Je voulais juste regarder, en fait. J'ai sorti mon... T'es sérieux? T'as pas la cinématique? Ici Crane, vous m'entendez? Non. C'est bon. Il faut que vous recommencez à livrer de l'antisine. Bah oui. Moi j'ai mon petit Toki et tout. Et toi t'es là. Pas pour jouer les mères Teresa. Tourne pour voir. À moins que vous ayez changé d'avis pour la proposition d'or. Ah oui, ok. Peut-être que mademoiselle a aimé... Tu me vois moi aussi? De se battre dans un nouvel environnement. Donnez-nous de l'antisine. Et ensuite... Ensuite, on verra. Ah, vous le prenez comme ça. Désolé de vous dire ça, mais vous rêvez. Les choses sont un peu tendues avec le ministère. Reprendre les livraisons ne serait pas très avantageux, politiquement parlant, actuellement. Vous êtes vraiment qu'une bande d'enfoirés. Avec votre fichier à la con, je vais le trouver. Mais je vais pas me gêner pour l'étudier tranquillement avant de décider quoi en faire. J'améliorerai. C'est bon? Je pense qu'il faut qu'on descende. Crane, c'est Jade. Tu m'entends? 5 sur 5. Ouh. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai besoin de ton aide. Rice a transformé une école abandonnée en entrepôt. Oh. Et alors? C'est abandonné. Qu'il stocke son antisine. Anton, viens. Si on entre dans cet entrepôt, on pourra récupérer les médicaments dont la tour... Lise qui a marqué au-dessus de cette porte. Ouais, je te suis. C'est la rec room. Qu'est-ce qu'il faut à l'intérieur? Je sais pas, mais il y a deux femmes. Si jamais on trouve pas l'antigène, il va falloir qu'on parle, toi et moi. Et un mec. Ça va, ça va, elle est pas mal. Commençons par vider l'entrepôt de Rice et nous verrons bien. Elle a les genoux rouges. Ah bon? Non. Ils sont sérieux, les devs, là? Bon, on fera pas de détails, mais quand une meuf a les genoux rouges, c'est que, bon... La rec room, elle a fonctionné il y a pas longtemps, quoi. Elle a rec il y a pas longtemps.
Écoute, hein. Elles ont bien dû se convertir. Oh là là, les devs. C'est des ouf, n'empêche. C'est pas possible. Il y a un mec, il a fait des genoux rouges, tu vois. C'est pas possible que ce soit pas fait exprès. Ça se trouve, il l'a fait de son plein gré. Même le rec room, tu sais, ça sert à rien. Parce que je crois que c'était là où Daoud il habitait justement, tu sais, celui qui a pris le pistolet. Ouais, je crois que c'est ça. C'est pour ça qu'il avait une tête brosson, Daoud. Parce qu'il était dans les trucs brosson. Bon, par contre, pas de quête principale. On a plein de quêtes secondaires. Non, on en a que deux des quêtes secondaires. Intermédiaire et intermédiaire. Donc ça, c'est où? C'est pas très loin, et ça... C'est plutôt très loin. Donc on va aller là. Let's go. Aïe, plou. C'était électrique. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il a pas plu. Ouais. Il y a un casque. Ça me va bien. Il va se mettre à pleuvoir quand on va sortir, là. Ouais. Franchement, ça me dérangera pas. Je sortirai quand même. T'es qui, toi? T'es qui, toi? Ouais, mais il faudra sortir, par contre, hein. Bonne soirée. Soirée grenadine pour moi. La ferme, Fatine, lâche la radio. Tu vas le rendre dingue, espèce d'idiot. Arrête de parler ou je te frappe. Me frapper, moi, je vais te tuer. Spéciaux, en effet. De toute façon, ce serait grenadine pour moi aussi, vu qu'on va trouver qu'il faudrait conduire. Parce que moi, je sais pas conduire. Ah, mais c'est vrai. Ouais, mais faut que j'ai... Non, quoi que... Allez, un verre ou deux. Histoire de se mettre bien. Rendre le pêchotage plus facile avec les yeux sournois. Ah, mais arrêtez! Ah, mais tu t'es barré, c'est pour ça que tout le monde me fonce dessus. Ouais. Le pêchotage... Crane. Je suis là. Je suis pas là. Il est où? Je suis là. En bas. T'es dans la tour de Fort Jefferson. Tu dois m'appeler commandant Jeff. C'est moi qui fais les règles. Qui nous parle en même temps là, Brecon, Paradise. Ici, c'est Jeffville. Je crois que c'est lui. Ou Jeffertown. Ou New Jeff City. Écoute, Jeff, il a un valet sur son casque, pourquoi? Le gaz est coupé. Quelle référence? Ah, un Joker. Ouais. Ça c'est moi. Tu as coupé le gaz? La réalisation du mur de l'apocalypse de Fort Jefferson nécessitait l'arrêt temporaire du gaz pour les civils. Mais tout est prêt maintenant. Tu vas pouvoir remettre le gaz. Je crois plutôt que c'est ton boulot. Non, impossible. Je peux pas abandonner mon poste. Faut envoyer quelqu'un de pas indispensable. Commandant, je suis volontaire. Je te connais pas, mais t'es un bon soldat. Essaie de pas mourir. Maintenant, va ouvrir les vannes de répartition et la vanne de distribution principale. Ensuite, reviens me voir, et je rétablirai l'alimentation de la ville. Hé hey, si tu te fais pas tuer, tu seras le premier civil à voir mon mur de l'apocalypse. La solitude défonce la tête des gens quand même. Pourquoi ils montent? Eh, vous avez pas le droit de monter, vous savez pas faire, hein. Et toi, avec le confinement, j'ai fait le fort piton. Ah, ça brûle! Ah, c'est en dessous! Arrête d'être fatigué là, t'es un mec de parcours quoi. Putain! Les meurtres. Dis-moi, je saute la flemme. Antoine, viens, il va y avoir plein de paquets. Bah ouais, mais là je suis. Mort. Oh, mais c'est pesé avec elle. Je perds 1200 points. C'est abusé le combo que... dans lequel je suis là. Je suis sur une voiture et les autres ils veulent monter.
à la voiture. Enfin, sur la voiture, du coup, ils mettent leur tête exposée. Et je peux leur. Leur exposer le crâne à l'infini. C'est incroyable. Je sais pas combien j'en ai tué, mais. Wow. Ah putain, c'est en bas. C'est encore en bas. Bah oui, ça a pas bougé. Putain, le soleil il revient d'un coup. Mais ils viennent à l'infini là ou c'est comment? Il bug tellement il y a de corps. Bon bah let's go loot hein. Arrête de me taper, méchant. Ouais, on a pas tout loot, c'est pas grave. J'ai fait plein. Par contre, j'ai un level à passer, du coup. Nécessite une arme à deux mains. Attaque puissante. Vas-y. J'ai pas les armes à une main. On va tester l'attaque puissante. Ah, ok, ça prend du temps quand même à faire. Et putain, ouais, non mais il faut un timing là, c'est relou ça. Ok. Ouais bon. C'est pas ouf hein, ça sert plus à mourir très vite qu'autre chose, cette compétence. Mais... Ah d'accord. Là, ma patte. Oh! Attends, pourtant je vais esquiver. Oh, ouf, la gifle! La gifle, elle a fait mal, hein. Oh, mais moi! Mais je suis loin! What? Ouais, moi aussi, il me l'a mise alors que j'étais loin. Adieu. Ah non. Mais non mais gros, il a une portée lui. Mais c'est insolent. Ouais, moi ça me touche alors que je suis loin. Ouais, il est bon. J'ai eu de la chance que j'avais sorti la clé. Ah oui, oui, ouais, ouais, toujours plus. Mais et moi j'ai pas le droit de te taper à travers. Ah ouais, non. Mais... Hop, je me suis fait des petits kits. Du coup... Je vois la vanne. Ah. Aïe, putain, je me suis mis en feu dans ce zombie en plus. C'est ouvert. Arrête, c'est d'endurance, t'as pas le droit. J'ai des pauses. Aïe, 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 tu me brûles. On va à la dernière vanne? Ouais. Ils auraient pu me manger. Pourquoi y'a un dollar bleu là? Pourquoi? Y'a un dollar bleu.
Aïe, aïe. Aïe, aïe. On va lui ramener des virulents. Le petit... Oh, c'est pas cher. Quoique. Ouais. 6 000 $ le petit biche. Non, mais il y a un petit couteau de désosseur, là. Ah, mais il est légendaire en plus. Allez, hop, c'est cadeau. J'ai un bon plan pour toi. J'ouvre ton coffre, hein, tu vois pas d'inconvénient. J'aimerais bien qu'on puisse tuer les vendeurs pour récupérer leur stuff. Parfait. Ouais, mais ce serait abusé. Ouais, ta gueule. Ouvrez la vanne dans le tunnel. Ok. Je fais ça dans la vraie vie aussi. Les voitures amortissent la chute. On peut pas fermer la porte. Merde, c'est bon. Oh shit. On se calme. Arrêtez, vous êtes pas gentil. Putain, il la tourne le plus lentement possible en plus, ce bâtard. Ouais, elle se ferme pas là. Fait longtemps que j'ai pas fouillé des zombies là. Passe devant. C'était de l'autre côté. Ok. Je sais pas. Nous verrons bien. Il y a un casque. Par contre, il va faire nuit. Ouais. Je me soigne parce que avec moi les chutes. Attends, je peux plus. J'en ai plus. Oh, y'a un. Oh, on va tous les faire. J'ai besoin d'aide. 25 secondes, Antoine. 20 secondes, il faudrait bouger. Ah, mais t'es où? En bas. C'est pas comme moi. 10. Ah bon, je suis mort. Ça fait mal. 5. Je suis bloqué en plus par les barbelés. Je suis bloqué par les barbelés. Non. J'ai perdu 240. Ça va. C'est pas toi, comme 1000. J'avais des 1002 tout à l'heure là. Mmh. Je sais pas où je voulais respawn par contre. Je crois que je suis loin. Ah, je suis au pont là. Bruh. Au tunnel plutôt. Ah, il me saoule mon perso à se fatiguer en 2 secondes par contre. Oh là là. Y'a un truc à récup ici. C'est quoi? Attendre d'autres joueurs. On a une 4 peut-être ici, 4 secondaires. Enfin, je m'inquiétais de ne pas te voir arriver. Continue à balancer de la fumée rouge et tu manqueras pas de visiteurs. Il me reste que du rouge. Enfin bref, t'es là, donc ça a marché. Donne cette enveloppe à Aziz au bazar. Dis-lui que c'est de la part de Ryan. Ok, Ryan. Le mec, il croit en est le facteur en fait. Ouais.
Ouais, c'est Ryan pour Aziz. Quelqu'un m'a filé une liste de course, transport rouge, saut, diode, ah, de crier de la même façon tout le temps. Eh bien, on vient de te donner la recette du stab. C'est un truc que les gars de Rice utilisent pour rester debout pendant des jours. Les rapaces sont plus sympas que quelqu'un qui a pris cette merde. Peut-être que je devrais faire fermer boutique à ce type. En fait, on manque cruellement de phénylnitrate. C'est un désinfectant de labo et on est en rupture de stock. Oh, il m'a lancé son arme, l'ouf. Tu veux que je fasse ses courses? Absolument. Après, viens. Transport rouge, soude, iode, acide chlorhydrique, éther éthylique, phénylnitrate. C'est pas une recette de grand-mère. Oh, Clé. J'ai plus ma clé, moi, je les ai jetées. Il veut pas monter là, je crois. Ouais, il peut pas. T'as des molotov? J'ai ma clé. Les gars, calmez-vous. Encore, je suis fatigué en plus. Je l'ai électrocuté. On a eu. Aïe. Combien? 1250. C'est un peu la merde quand même! Bah ouais. Y'en a un autre. Je me fais gerber dessus, putain. Ah! Cours! Il nous faut une planque! Anton, la planque là! Sur la map, il faut y aller. Faut qu'on save cette XP. T'as pas réussi à bouger? Ouais, mais je vais me faire défoncer! Adieu! C'était bon de te connaître! T'as que la planque elle est pas loin! Je me... Tu vois les lumières bleues? C'est là! Ça piège lumineux! J'ai mis un piège, faut que tu viennes! Il brûle! Ce fils de pute! Vas-y, on rentre! C'est même pas si on l'a eu du coup. Si, on l'a eu. Faut qu'on dorme, c'est en haut. Ouais, là on va dormir. Ah, mais c'est chez la forteresse là. Y'a qu'un lit. C'était tendu, hein. Oui. Traceur. Ok, ça me dit traceur. Vous avez survécu. J'ai pas de level. Ah, j'ai peut-être un level maintenant. Non, je vais pas te level. Bon, allez, go. Ah, ça a pas pris de soins, c'est cool. Ouvrez la vanne principale de distrib. Oui. Et du coup, elle est où? Oui. Ça, c'est fermé la porte. On peut pas fermer le portail déjà? Non. Ah, faut que je crochette, faut que tu me couvres. Attends, je me fais soulever par des zombies, j'arrive. Un jour comme un autre. Hein. Mais pas sûr que ce soit là en fait. Non, c'est pas là. Il y a du l'adhésif. Il y a plein de coffres. Tu sais qu'en vrai on se serait enfermé là-dedans, on aurait peut-être... Bon après j'aurais pas eu le temps de crocheter mais... On aurait peut-être pu survivre et on enchaînait. Je sais pas. Bon la vanne principale... Avec les gros. Elle est où, là?
Là, il y a une vanne blanche, mais non. Faut qu'on rentre. Ok, c'est pas ici en fait. C'est là, ça doit être là. Il y a un tuyau. Ouais, c'est là. Hop, c'est sous l'eau. En mode BF4. De quoi? Quand on nageait à l'envers. Dans BF4. Ah oui. Oh! Ça date. Je l'ai fait masse dégâts. C'est pas passé loin. Oh, électrisé en feu, dans l'eau. Ah, j'ai des bonnes compétences. What, what, what? Pourquoi y'a... Ne restez pas dans l'explosion. Ah merde. J'ai ouvert les vannes de répartition. Je pars sous l'eau, hein. De quoi? Par l'épée de ma sœur. Par le quoi? Par l'épée de ma sœur. Les pieds? Par l'épée. Ah d'accord. Ah oui, parce que oui, gaz, ça a pris à ressortir ça par l'épée de ma sœur. Allez, viens la petite pute. Rah ! Ah, je veux... J'aimerais bien casser le mollet d'un virulent là. Bah, t'auras l'occasion. Pouvoir le faire. Alors, ça marche pas. Tu virules moins ? Ah ouais, ça marche pas ? J'ai pas réussi en tout cas. Y'en a un autre. Le t'as zéro vitesse là. Putain. Il est mort. Vas-y, j'ai plus d'endu moi. Alors va ma gueule les doigts. Oh, ils sont solides. Efficace. Qu'on doit faire au juste? Non. Fermer les vannes du circuit bleu. J'en ai fermé une. Je fais la deuxième. Aïe, aïe. Il y a une troisième. Voilà. Par contre, il y a un zombie. Tu l'as pas la coupe. Ah, tu l'as. Je viens de la prendre. C'est bon. Maintenant, reviens ici au pas de course, soldat. Très utile. À vos ordres, amiral. Eh, c'est pas la marine ici. Ah! Elle a plus de tête, c'est bon. Stop. Retournez voir Jeff. J'imagine aller voir le Renoir, tu sais. Bah, il m'a dit de venir te voir. On a une quête. Ah, attends, il y en a une pas loin à retrouver Jade. Ah oui, mais non. Ah bah, Jeff, il est sur la route, en fait. Il est plus proche, ok. Let's go. Niveau d'agilité augmenté. Je viens de passer mon niveau 8 et au niveau combat, je suis presque niveau 11. Moi, si j'ai 7 et 9. Ah, mais moi, tout à l'heure, tu sais, quand je t'ai dit que j'enchaînais les coups de pied là, bah, j'ai vraiment enchaîné les coups de pied. Salut, Jeff. What?
Putain, t'appuieras sur B en courant, ça fait un truc bizarre. L'alimentation principale. Et tu vas avoir droit à une démonstration de combustion contrôlée. Je crois que je vais regarder ça d'assez loin. Si tu veux, je te laisse 10 secondes. Ah oui, je crois que... Faut faire quoi en 10 secondes? Faut qu'on se casse, parce que... Bing bing. Non. Merci Banane pour le resub. J'ai retrouvé Jeff et le gaz est rétabli. Le loot. Deuxième explosion. Ouais, je crois qu'il va quand même falloir le remplacer. Comme ça qu'on traite les formes. Je disais ça, tu sais, je m'étais fait embrasser par une zombette et je lui ai mis une grande droite. Ok. Allez au bazar et trouver Aziz. Bon bah Aziz il est à côté donc ça va. Aziz. Ah! Il se fait bouffer lui. C'est comme ça qu'on fait, regarde. Faudrait qu'on lui amène des zombies et qu'il meure. Vas-y. Ah, y'a un coureur là-bas. Viens, viens, viens. Chico, il est chaud. Ah, mais ils veulent tabasse, hein. Bouffe ça. Ah bah, bravo. Laisse-moi tranquille. Son arme j'ai pris une droite. Putain, y'en a un qui bug, il est en train de m'énerver là-bas. Il est mort. Oh, il bug. Ouais. Ah bah il s'est transformé en paquet. Instant. Regarde, il se fait bouffer, il se fait bouffer. Ouah. Ouais. Alors. Je le fouille lui. Achète de jet. Incroyable. Ah ouais, putain, efficace. Je peux la récupérer? Non. Bon, faut qu'on aille voir Aziz. Je vais me rincer de mes péchés. Hop. Je suis un homme nouveau. En plus, on dit laver ses péchés, moi je dis rincer. Aziz! Volcan! Bon, toi t'es pas Aziz. Aziz! Yeah, yeah, yeah. C'est toi Aziz? C'est Ryan qui m'envoie. Qu'est-ce qui est arrivé à Assam? D'après toi? Vous prenez de sacrés risques dehors. Écoute, j'ai tout sauf le phénylnitrate. Alors t'as pas ce qu'il me faut et ça va pas le faire avec Ryan. Qu'est-ce que je peux y faire? Le coursier a planté sa caisse dans un tunnel la nuit dernière. Il est avec Assam maintenant et ton phénylnitrate est coincé dans le coffre de sa voiture. Si tu le veux, va le chercher. Parce qu'il n'y en a plus à Aran. C'est le dernier lot qui reste. Sa voiture ressemble à quoi? Blanche, je crois. Nickel, hein? Tout ce dont je me souviens, caisse blanche. Alors, tu vas vraiment le faire? Ryan n'aime pas qu'on le déçoive. Une caisse blanche dans un tunnel. Allez! Si tu t'en sors, j'aurais peut-être un truc à te proposer. Les gens, ils aiment pas les t-shirts, hein. Ils préfèrent mettre les vestes comme ça. C'est bien. Achète de G médiéval. Mais il est vendeur. Allez dans le tunnel. Il a un couteau en cuivre, légendaire. En cuir? Genre. Hein? Couteau en cuir. Je sais la pas. Et le couteau en. En cuivre, c'est pareil, hein. Le cuivre, c'est un métal super.
Super. La durabilité de l'arme, elle doit. Y'a moyen. Je suis dans l'explosion là de la tour de GF. Y'a rien. Ouais, là. Y'a un fusil à double canon. Ah bon? Y'a rien, ouais. Ouais, y'a rien. Y'a juste son fusil à double canon. Ah, y'a son corps, accessoirement. Attends, je vais l'honorer. Peut-être pas avec une cartouche de double canon, mais on va lui faire un enterrement. T'es prêt? Attends, non. Prends ton fusil d'assaut. Ah, mais t'en as pas? Moi, c'était sur un homme de Raïs. Attends, j'ai ça. Ah, la Sensi, par contre, elle est ignoble. Ça, c'est les mêmes mouvements. Et ça, c'est quand je vise. Par contre, j'ai une cartouche. Ouais. Allez, on lui fait un... Vise le ciel. Ah, ouais. J'ai plus de cartouche. On a appelé des gens pour qu'ils viennent lui bouffer son corps. Bah ouais, moi j'avais 30 balles plus 40. Bah j'en ai plus de 40 maintenant. Non, mon dieu. Ah, la position que t'avais, c'est incroyable. J'aime bien ma claque, ça. Une caisse blanche. Ah, tu me couvres pas. Nickel, hein. Ah, mais tu fouilles. Bah il faut, en fait, c'est la quête. Mais y'a que des caisses blanches, hein, bizarrement. Mais c'était pas là. Bon bah, demi-tour. Je me fais niquer! Aïe! Le gaz! Oh! Allez, ferme ta gueule. Elle a volé. Le casque. Oh, on a 50 minutes de rec. J'ai combien de vie? On va terminer l'épisode. Après. Ah putain, y'a un jumper. Oui. Liquide conducteur. Oh! What? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas! Pourquoi ça a tout pété? Bah, il devait y avoir un bidon en dessous, mais pourquoi... Et lui, c'est un pompier. Oh, Ten, fais ton travail un peu, là. Ten zombie. Ah! Et si on l'envoie dans le feu? Ah, j'aime trop les tabasser. Oh! Ça devait pas me toucher, ce coup-là. Le pompe... Ah, c'est miniaturiste. Oh, ah, je suis mort instant, hein. Pour 300$. J'ai perdu 1200 points, putain. C'était pas worse. Nitrate. Ah bon? Apporte-le ici. Tu viens de le trouver? Oui. Ah, ok. Je crois que je suis chez eux en plus. Ah non, peut-être pas. Ouf. Ouais, là ça, la compétence elle a marché. J'ai réparé sans que ça utilise. Ça me l'a fait une fois aussi, j'étais content. Je crois que c'est à cause de ce jeu que j'ai envie de jouer à RE2 en fait. Hein. Ouais. Les zombies. Oh, c'est tout bugué. Ça y est, je fais bugger le toit. Putain. Coupe ta lampe. Non. Ah. Pourquoi il y en a qui sont gris et d'autres qui sont rouges? Oh putain, il y a des hommes de Rai. Oh, le zombie là. Oh, il est pas mort. Va dans les pics, toi. Voilà. Aïe. Pourquoi il fuit, lui? Il est où? Allez. Il est parti où? Bon, parti. L'homme de Rice. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, il se fait manger.
Hop, ta gueule. C'est bugué là. Ouais. Elle lui fait une danse là. La zombette. Putain. Ah bah voilà. Putain, j'ai taclé un corps moi. Ah mais on retourne à... Ah mais non, on retourne pas à la tour. Ah quoi que si on est à côté, ou on est à côté au pire, on retourne à la tour, vas-y. On va poser la quête, ça fait une petite conclusion. Gaspille l'électricité, tu sais. Intendant ! Son stock à chaque fois. Ouais. Il y a plein de choses à faire à la tour. J'espère que ta gueule. Un coup d'œil au tableau. Fils de pute. J'avais oublié. Je crois l'épisode, si je m'en souviens, enfin si je me rappelle, tu vois, je vais l'appeler fils de pute. Daoud. Pourquoi j'ai ma lampe? Ryan ne se dira pas la même chose quand j'en aurai fini avec lui. J'ai une meilleure idée. Il a même pas dit merci, sans pas lui. Putain. Un lot avec cette. On est vraiment des chiens dans ce jeu. Les gars de Rice au pays des rêves. Je crois que Rice va pas. Il a pris, ça. Il a posé. T'sais. Probablement pas, mais ils ont besoin de sommeil. Et il y a plus de phényl nitrate, alors Ryan va mettre la clé sous la porte de toute façon. J'aime ta façon de penser, Aman. Ouais. Oh là. Pour toi aussi, la boîte, elle a fait un. T'as pas regardé, j'imagine. J'ai pas regardé. Alors, une arme légendaire, pas trop chère. Non. Ok. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. Et on se retrouve dans quelques jours pour la suite. Salut.